Salut mes poppies, je viens vous voir dans cette vidéo afin de pouvoir travailler avec le matériel donc reçu de la boutique Bibicraft. Donc euh, si vous vous souvenez bien, j'avais donc focalisé cette, euh, cette commande donc qui est une collaboration avec la boutique. Donc autour du fil d'aluminium. Donc ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, donc avec le fil de 2 mm de diamètre, euh, des deux pinces que j'avais également sélectionnées dans la boutique, donc ça c'est une pince à sertir et ceci c'est une pince qui va vous aider à réaliser vos différentes boucles, donc selon le diamètre que vous allez avoir besoin donc ici vous avez la possibilité donc d'utiliser six diamètres différents alors j'ai également pris dans mon stock personnel cette pince à couper et j'ai pris une règle pour et eh bien tout simplement mesurer la longueur du fil que l'on va utiliser alors pour ce ce porte-bijoux, on va avoir besoin et eh bien uniquement du fil de 2 mm. Pour ce projet, on n'aura pas besoin du fil de 0,8. Donc ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, euh, je n'ai aucune idée du fil que je vais sélectionner, si ce n'est que j'aurai peut-être besoin d'une variante. Donc euh, deux couleurs pour peut-être euh, y ajouter une petite, euh, une petite touche sympa. Donc ce serait pas mal de sélectionner deux couleurs qui pourraient eh bien très bien aller ensemble. Et eh bien pourquoi pas ces deux-là. Oui, je vais sélectionner ces deux-là. Donc on va mettre le reste de côté. On va voir un peu comment... On va s'organiser eh pour réaliser ce porte boucle d'oreilles qui pourra venir accueillir, j'ai envie de vous dire, le nombre de boucles d'oreilles que vous aurez sélectionné. C'est quelque chose de relativement... Simple parce que le but est de vous permettre de voir ce qu'on peut faire avec du fil aluminium. C'est clair qu'il y a des choses beaucoup plus élaborées et donc on verra dans les prochaines euh, vidéos comment on peut l'utiliser euh, et bien différemment. Voilà, parce que on peut bien sûr travailler le fil d'aluminium dans un autre cadre que les, les bijoux. Alors je pense que vous devez savoir que pour travailler le fil d'aluminium la première chose c'est de le chauffer et on le chauffe tout simplement avec un chiffon ce qui permet et eh bien au fil de se redresser tout simplement donc on va utiliser des j'ai envie d'utiliser des morceaux de, de 40 cm donc ici je suis à 30 je suis à 40 voilà on risque d'avoir besoin peut-être de deux bobines de fil, mais c'est pas gênant puisque on a pris du ce que je ferai, je, je chaufferai le fil par la suite pour qu'il soit bien droit, donc c'est pas bien gênant si vous venez donc intercaler du fil d'une couleur différente. Alors, on a maintenant nos différents fils que l'on va chauffer pour pouvoir eh bien, les avoir relativement droits, même si par la suite, on va tout simplement les enrouler. Donc, pour ce projet, ils ne doivent pas être, on va dire, rectilignes. Mais c'est toujours bien de venir les préparer. Alors, on va les compter, voir tout simplement où on en est. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, la première chose qu'on va faire, eh bien, on va les enrouler comme ça. Donc on va faire en sorte de les maintenir en place. Alors ce que je vous propose c'est d'utiliser la seconde couleur de fil. Vous retrouvez... Vous retrouverez, pardon, en barre d'information les différents liens vers le programme donc d'affiliation YouTube de la boutique et des différents produits donc que je vais utiliser dans cette vidéo provenant de la boutique. Donc je vais prendre un, un morceau aléatoire. Je ne suis pas du tout euh, mesurée. Voilà, alors ce qu'on va faire, donc on va tenir le tout comme ça et on va venir enrouler ce fil tout autour. Donc on va laisser, euh, je vais dire plus ou moins cette longueur, donc qui va venir et eh bien tout simplement. Euh, servir de décoration par la suite. Alors, on va laisser... Je réfléchis un peu. Donc, on va laisser pas tout à fait la moitié. D'accord Voilà. Et donc, on va commencer à enrouler notre fil autour des autres et on serre le plus possible. D'accord Voilà. Donc, on prend le morceau et on serre tout en enroulant autour du fil le plus foncé. J'ai envie de vous dire, c'est super important, pardon, je vous fais bouger, c'est super important de de bien serrer pour maintenir le tout en place. Et quand par exemple vous voyez que vous avez ici un petit jour, et eh bien vous venez, voilà, resserrer votre fil comme ça. Donc, vous allez resserrer votre fil comme ceci. Désolé si je vous fais bouger, mais j'ai des câbles un petit peu partout. Voilà, et on repart. Donc, on serre et on se rapproche le plus possible. Eh bien, de la torsade précédente. Je vais appeler ça une torsade, c'est pareil. Donc on peut faire tourner comme ceci. Oh, désolé si je vous fais bouger vraiment. Voilà, on continue. Et on continue. Donc il me reste ceci comme fil. Et donc on va continuer jusqu'au moment où on aura plus ou moins la même longueur. De ce qu'on aura laissé en bas pour la décoration. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc ici on a ceci, là on a un morceau un petit peu plus grand, mais c'est pas plus mal. Alors maintenant on va s'occuper. Euh pourquoi pas des décorations ici? Comme ça, ça va nous permettre d'être libre de nos mouvements pour travailler en haut et en bas. C'est là que notre pince va nous être utile pour partir correctement pour nos décorations. Donc, on va prendre ici le bord et donc je vais utiliser le, le, le bord, l'embout le, le, le plus fin. Donc, vous allez refermer votre pince et vous allez donc enrouler votre fil sur cet embout ici pour avoir le cercle le plus fin. Donc c'est simple. Vous allez donc enrouler votre fil comme ceci et vous tournez votre pince jusqu'au moment où voilà, le fil touche ici. Là, on va lui donner un petit coup pour qu'il soit bien, voyez, qu'il soit bien contre et donc avec votre pince vous allez repasser donc votre embout à l'intérieur et vous allez donc comme ceci vous allez serrer tout en faisant tourner ici votre fil lorsque vous êtes là vous redonnez un petit coup de pince comme ceci et là vous pourrez très bien tourner à la main une fois que le, le fil le mouvement est bien engagé et eh bien vous pouvez tourner avec votre main ce qui sera beaucoup plus facile et pratique. Voilà. Donc vous avez comme une petite fleur qui est venue se former et donc ce que vous allez faire une fois qu'elle est ici, vous allez la tourner comme ceci. Voilà. Et ça devient comme ceci. Voilà, ok. Donc, on va faire la même chose en bas. Donc, on prend notre pince ici, on enroule le fil tout autour, on tourne notre pince. Voilà, une fois qu'elle est bien contre, on retire la pince, on met un petit coup ici pour que ça tienne bien, on renfile notre pince et on tourne tout en collant bien notre fil à l'autre. On lui remet un petit coup de pince, voilà. Et donc on peut même utiliser cette pince si on veut pour tourner. Mais moi je préfère utiliser utiliser les doigts. J'étais pas trop dans le champ, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas bien compliqué à ce niveau. Et puis vous avez vu la première décoration que j'ai faite voilà donc ça vous fait un, un genre d'escargot hein, tout simplement mais c'est une jolie finition voilà que vous pouvez mettre que vous pouvez recourber ici donc vous pouvez tout simplement pousser pour la mettre là ou alors vous donner un petit coup comme ça voilà et alors, vous pouvez très bien la mettre comme ceci, comme ça on en a une de chaque côté, et là on ne sera plus gêné pour pouvoir travailler. Donc, on va travailler le dessous maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va écarter un petit peu chaque fil, et ensuite on va les travailler un par un. Euh, oui, c'est bien celui-là. Voilà, alors on en a ici. Donc, on les intercale aux endroits les plus appropriés. Voilà. Voilà, alors là, c'est bon. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ceci, d'accord Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire exactement euh, ce qu'on vient de faire avec les décorations, et bien tout simplement pour venir créer la base de notre euh, porte-boucle d'oreille donc on peut partir avec donc la base la plus petite euh, j'ai envie de dire ici c'est c'est égal on peut partir avec la base euh, la plus grande voilà donc on va on va utiliser la base la plus grande pourquoi pas comme ça euh, je vous montre comment ça se passe donc c'est exactement la même chose vous voyez donc on arrive ici on lui met un petit coup on repasse dedans non, c'était pas celle-là, je pense. Je pense que c'était celle-ci. Je ne sais plus. Non, ça peut être celle-là. Voilà. Et donc, on part comme ceci. Et on fait exactement la même chose voilà et pour le moment on va le laisser comme ceci on verra par la suite comment on va euh, on va les disposer d'accord donc j'en fais encore un ou deux avec vous On enroule voilà on passe au suivant je vérifie pour que les fils soient on va dire à, à la bonne place c'est quand même important alors toi tu vas aller là et toi tu vas venir ici ok donc, on en fait encore un et puis je ferai des autres et eh bien hors caméra puisque euh, on va dire la manipulation se, se répète pardon décidément voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et donc, je continue l'opération hors caméra et je reviens vers vous. Nous avons maintenant donc, tous les éléments qui vont nous permettre eh bien, de euh, constituer notre base. Donc on va sélectionner un sens donc, pour placer nos, euh, bah, eh bien, nos, nos différents éléments. Donc on va utiliser ce sens là. Donc ça veut dire que tous nos petits tourbillons vont se euh, eh bien, vont se tourner vers, vers le même sens. Donc on va tout d'abord les présenter. Du même sens et ensuite on pourra et eh bien les placer de façon à solidifier notre base donc il y a certainement des, euh, des petits aménagements à faire dans le sens où ici voyez on a des des éléments qui sont plus longs donc on va les raccourcir un petit peu en refaisant euh, un trou, donc on va créer des superpositions pour solidifier le tout au maximum. Voilà. Donc que ce soit superposé euh, à gauche, à droite, euh, qui en est plus euh, d'un côté que de l'autre, j'ai envie de dire ça, c'est euh, vous qui voyez. Hein. Vous rangez ça comme vous voulez. Et donc là, j'ai envie de vous dire la base de notre euh, porte boucle d'oreille. Est terminé voilà donc pour le moment ça se présente comme ceci ok donc nous avons maintenant le dessus et eh bien ce dessus nous allons le travailler de façon à accueillir les différentes paires de boucles d'oreilles alors là on peut procéder de différentes manières on peut très bien réaliser des tourbillons comme ceci d'accord mais ce qu'on va faire on va faire autrement et donc on va pouvoir pourquoi pas mettre deux paires de boucles d'oreilles sur certaines tiges. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre fil entre nos mains qu'on va chauffer un petit peu. On va le retourner sur lui-même comme ceci. Voilà. Donc ça va nous faire déjà un endroit pour et eh bien tout simplement nos euh, nos boucles d'oreilles. Ce qu'on peut faire, c'est refaire un second ici. Voilà. Plus petit pourquoi pas et alors ici ce qu'on va faire on va le laisser comme ceci et on va voir par la suite ce qu'on va euh, en faire pour le terminer d'accord alors si vous avez une paire de boucles d'oreilles beaucoup plus plus grande voilà donc vous allez refaire le petit le petit tourbillon comme ceci voilà ici on le laisse comme ça, et on verra plus tard, d'accord? Donc, ça, c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez vouloir organiser, et eh bien, ce, ce porte-boucle d'oreille. Donc, c'est à vous de voir un peu par rapport et eh bien à votre à votre collection personnelle. Voilà. OK. Donc, vous allez faire ça sur tous les brins. Donc, euh, vous allez donc travailler les brins comme vous le souhaitez. D'accord? Donc faire un seul, voire deux endroits où vous pourrez donc y accrocher vos paires de boucles d'oreilles, d'accord Donc je vais continuer hors caméra et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Voici donc mon porte bijoux, donc mon porte paire de boucles d'oreilles plus précisément, donc que j'ai euh, travaillé au niveau de, des supports ici au-dessus. Donc celui-ci est un simple, celui-ci est un double, un double. Et alors vous voyez ici, j'ai donc euh, volontairement mis les encoches vers le bas parce que vous pouvez très bien les, euh, donc les accrocher ici. J'ai fait pareil là, là. Là, donc bien sûr, ce sera à vous de les disposer de la manière dont vous le souhaitez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va, pourquoi pas, terminer ces, euh, ces, petites, euh, ces petits brins. Et donc, pour ça, on a plusieurs possibilités. Donc, soit on travaille notre fil, ou alors, on peut, pourquoi pas, y ajouter des petites perles. Donc, ici, j'ai des petites perles en bois. Et Donc, bien sûr, vous prenez des perles qui et euh, eh bien peuvent être euh, comment vais dire enfilées sur du, du fil, bien sûr, de 2 mm. Voilà. Alors, vous avez certainement des perles donc qui peuvent être appliquées sans colle parce que euh, vous allez donc tout simplement forcer un petit peu pour les. Euh, pour les apposer d'accord ou alors il faudra et eh bien mettre un point de colle si vous voulez mettre d'autres perles donc des perles qui sont on va dire euh, avec un, un enfilage plus large voilà donc je vais mettre une bonne partie avec des perles ici j'ai besoin à mon avis d'un ou deux millimètres supplémentaires je ne sais pas si ça va passer. Ah ben voilà, c'est parfait. Et vous voyez, ça finit quand même beaucoup plus votre projet. Vous pouvez prendre bien sûr différentes matières de perles. Euh, ça, ce sera encore une fois à vous de décider ce que vous allez en faire. Donc celle-ci, voyez, le diamètre au niveau des perles en bois n'est jamais le même. Et donc peut-être qu'à voilà. Alors ici, pourquoi pas Eh bien, on va ou oh, celui-ci. Il est un petit peu plus plus long, donc on va faire comme ceci. Réutiliser notre pince qui, je vous l'avoue, lorsque vous travaillez avec du fil d'aluminium, va très très vite vous devenir indispensable et celle-ci également. Voilà. Donc, vous pouvez terminer également comme ceci. Pourquoi pas Voilà. C'est une c'est une possibilité où vous pouvez même, voyez, hop, le mettre vers le bas. Comme ça ça ne vous gênera pas pour vos boucles d'oreilles. Alors, j'ai ici d'autres euh, d'autres perles, mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir les combiner avec du du fil de 0.2 non, c'est dommage parce qu'elle me plaise beaucoup. C'est pas grave. Donc, je vais continuer avec les perles en bois. Ah, ici, peut-être. Oui, mais celle-ci est trop large. Non, j'ai pas envie de. Et alors, pourquoi pas y mettre. Hop là! des perles donc j'en ai d'autres couleurs donc celles ci elles sont marron encore une fois ça ce sera à vous de décider ce que vous allez vous allez faire et eh bien pour terminer votre euh, votre décoration ça j'ai envie de dire la décoration c'est toujours 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 facultatif donc c'est à vous à euh, et eh bien euh, fignoler le tout comme vous le souhaitez bien sûr et je pense que ce sera la partie la plus euh, peut-être pas la plus amusante mais euh, la partie où vous pourrez et eh bien le plus faire euh, faire travailler et eh bien votre créativité et bien sûr c'est toujours utiliser les euh, produits que vous avez donc à votre disposition et si vous souhaitez et eh bien vous fournir en perles et eh bien faites un tour également sur voilà là j'en ai mis une toute petite noire donc il m'en reste une ici sur le site de Craft, vous trouverez et eh bien votre bonheur je vais encore en mettre une ici Voilà. Eh bien, nous avons donc notre euh, porte boucle d'oreille qui est terminée. Donc, voici la base. Voici donc les euh, supports qui viendront accueillir les paires de boucles d'oreilles. Voilà. Donc, j'espère que cela pourra vous donner des idées. N'oubliez pas la barre d'infos pour y retrouver. Toutes les informations nécessaires et utiles. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo euh, autour du fil d'aluminium, bien sûr. À très bientôt, mes poppies, et passez une excellente journée. Ciao!